Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés. Et bien aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en gros, où là je vais vous parler, donc j'ai insisté par contre, j'ai bien marqué dans le titre Tonton du Bled, parce que là vraiment, je voulais parler de quelque chose qui se passe en France, mais qui a peut-être pas en Algérie, qui est peut-être un avantage justement pour, on va dire, pour les gens, voilà, en Algérie. Mais attention, je ne dis pas que les Algériens valent mieux que les Français ou quoi que ce soit, loin de là, hein, attention, hein, personne ne vaut mieux que l'autre, on le sait tous. Que la communauté FR est très très mauvaise, la communauté FR sur YouTube, même vous, vous le savez vous-même, je pense, qu'on a vraiment une communauté, et je parle pas de moi, ou je parle pas de mes abos, ou je parle pas de quoi que ce soit, je ne vise aucun abonné, mais en fait, je pense que tous les YouTubeurs et tous les abonnés FR savent que nous, la communauté FR, on a une mauvaise communauté, et on a des mauvaises personnes, et des jaloux surtout. Bref, tout ça pour vous dire, les frères, qu'aujourd'hui, je vous ai fait Tonton du Bled et le respect pour vous parler de quelque chose qui s'appelle le respect, je pense. Donc dernièrement, j'ai fait une vidéo, bien sûr, où j'ai parlé un peu de l'alcool et tout ça, et que j'avais bu de l'alcool. Et là, bah, il y a tout de suite des personnes qui n'ont pas hésité à me sauter dessus. Certains, c'était des musulmans. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, ouais, il y a eu des millions et tout ça. Non, il y en a eu 2, 3 ou 4, et qui sont venus me parler, justement, et venus un peu mal me parler, même, je dirais. Et je lui dis, mais écoute, toi-même, déjà, si t'es un musulman, tu ne devrais pas juger l'autre, tu vois. Déjà, ça, c'est un truc. Et après, ça va, parce qu'ils ont été, on va dire, respectueux et tout ça. Après, bien sûr, on a les Français aussi. Les Français qui insultent, qui ne croient pas, alors ils insultent. Aussi simple que ça. Il y en a peut-être qui croient au Père Noël. Il y en a peut-être qui ne croient pas au Père Noël. Voilà. Il y en a qui croient au Père Noël, il y en a qui croient pas au Père Noël. Pourtant, je vais pas aller me foutre de ta gueule parce que tu crois au Père Noël. Voilà. Ça s'appelle. Putain, j'ai un truc que ça fait sur mon PC. Pff. Ça s'appelle le respect. Voilà. Le respect. Mais le respect, les gens, ils l'ont pas tant qu'ils sont derrière cette petite boîte qui s'appelle un PC. Voilà, ils sont derrière leur PC, ils n'ont pas de respect pour vous. Ils n'auront pas de respect pour vous, mais s'ils sont devant vous, par exemple, où je vais parler d'un truc où les gamers vont se rencontrer, qui s'appellera la Paris Games Week, là, je pense que tout de suite, ils auront du respect. Pourquoi? Parce que s'ils ne respectent pas, ils vont s'en prendre une. Aussi simple que ça, s'ils ne respectent pas, ils vont s'en prendre une. Et ce qui est, on va dire, ce qu'il faut un tout petit peu avoir dans la communauté FR, bordel, c'est du respect. Du respect. Du respect. Putain, c'est incroyable, ça. C'est incroyable comment les gens manquent de respect. Mais tout va bien. Dans le plus beau des mondes, parce que c'est, il manque de respect derrière un PC. Donc on peut pas leur en coller une. T'as envie de leur en coller une. Voilà, t'as envie de l'attraper, t'as envie d'un bouc d'un arabe, tu vois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment les gens peuvent te juger. Putain, il y en a, je vous jure, j'ai envoyé des vidéos à des chaînes communautaires. Ils m'ont dit, deux, trois, ils m'ont dit, ta chaîne c'est de la merde. Mais gros, tu regardes sa chaîne à lui. Il a 5 abonnés. Je ne critique pas. Attention, je ne critique pas ceux qui ont peu d'abonnés ou quoi. Mais pour moi, les gars, quand tu juges quelqu'un, il faut le juger, mais correctement. Tu lui dis, Remix 13, à ce moment-là, j'ai pas aimé ça, frère. À ce moment-là, j'ai pas aimé ça, frère. À ce moment-là, j'ai pas aimé ça, frère. Je veux dire, écoute, gros, je vais essayer de m'améliorer. La dernière fois, il y a un abonné, il m'a dit quoi? Il est venu, il m'a dit, Remix 13, vraiment, super bonne vidéo, super commentary, juste ta cam, baisse-la un peu. Ok, pas de souci. Je mets ça de côté et puis je m'en rappelle. Il n'y a pas de souci. Quand il y a un mec qui dit, ouais, grosse merde, ta cam, elle prend tout l'écran, on va pas voir ta sale gueule de bouffon. Qu'est-ce que tu me racontes, gros? Reste tranquille. Chie un coup, mon pote. La dernière fois, je passe sur une chaîne communautaire, comme je vous ai dit. Un mec, les gars, il est venu m'insulter, se moquer de ma vidéo. Il avait 2 abonnés. Et il faisait des vidéos. C'est ça le pire. Vous voyez, c'est ça le pire. C'est que le mec, il essaye d'être un youtubeur comme moi. Et il fournit pas une meilleure qualité et il vient me juger, mais méchamment. Méchamment. Il m'a dit, c'est de la merde, en gros. C'est de la merde. Ce que je fais, moi, c'est de la merde. Lui, attention, c'est très très bon ce qu'il fait. Tellement que c'est bon ce qu'il fait, il a 2 abonnés, frère. Sa mère et son père. C'est incroyable. C'est incroyable d'être aussi mauvais comme ça avec les gens. Vous voyez ce que je veux vous dire, les gars? Il y aura, sûrement sur cette vidéo, il y aura encore des dislikers. Parce que s'il n'y a pas de dislikers, il n'y a plus de salopards dans la vie. Et s'il n'y a plus de salopards, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Vous voyez, le jour où il n'y aura plus de rageux de merde, ce sera l'apocalypse. T'as l'air pareil, un gars qui vient me dire sur Facebook, il vient me dire, ouais, vous les youtubeurs, à chaque fois que vous demandez un truc, vous le recevez et tout. Gros, j'ai demandé Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs, il y a un abonné, il a été fier, fier de me le donner. Il a été fier de me le donner, les frères. Fier de me le donner. Pourquoi? Parce qu'il me kiffe. Il me kiffe. Il me kiffe. Il a été fier de me le donner. Lui, ça lui fait plaisir, je voulais faire une dédicace. Je lui dis, ah frère, quand même, c'est gentil de ta part. Je te ferai une dédicace dans la vidéo, quand même, quand je ferai la vidéo de Watch Dogs. Je te ferai une dédicace, c'est tout à fait normal pour moi. Tout à fait normal. Voilà, tout à fait normal que je te fasse une dédicace.
Voilà. Et il m'a lâché Watch Dogs, pardon. Un jeu, il m'a empêché de payer un jeu, 70 euros, alors que j'ai gagné 90 euros sur YouTube en un an. Vous voyez ce qu'il m'a évité quand même? Voilà. 90 euros, je peux les garder de côté au moins. Je me dis, j'ai le PC qui peut lâcher, j'aurai des économies. Là, mon objectif, c'est au moins d'économiser jusqu'à 500 balles. Pourquoi 500 balles à votre avis? Parce que l'Elgato, ça coûte 180, 100 euros. On peut en trouver. Il y a peut-être Cezo qui va passer peut-être sur Delgato. Les PC, par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'en trouver un. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué et il faut économiser. Pour moi, il faut déjà que je me mette 500 euros, 600 euros de côté sur YouTube pour que demain ou après-demain, si mon PC il lâche, eh ben, j'en aurai un autre. Parce que le PC Alien, il ne faut pas lui faire confiance. Hein. Je pense que vous connaissez tous le Pokémon Renflex. C'est un peu son PC. Voilà, c'est Renflex. Quand il veut, il tape un somme. Voilà, il peut travailler 1 h 30, 2 h, travailler, upload la vidéo. T'arrives à 5 h d'upload. Il s'éteint. Comprends pas ce qui arrive. Bref, les gars, en tout cas, voilà. Tout ça, je me plains un peu parce que voilà, dans la vie, il faut, je pense, remettre les choses au clair un peu avec les rageux parce que c'est un peu casse-couille, hein, je vais pas vous mentir. C'est un peu, c'est emmerdant parce que c'est dommage d'être aussi mauvais avec les gens. Moi, je dis, voilà, sur YouTube, tu fais ta vie, tu traces ta vie, t'as tes potes, t'as tes frères, tu restes avec tes frères, tu vas pas emmerder les autres, bordel. Tu vas pas emmerder les autres. Tu vas pas emmerder les autres. Les autres n'ont pas besoin de toi. Ok, ils n'ont pas besoin que tu viennes leur dire ouais, ta vidéo c'est de la merde. Tout ce que ça va lui faire, le mec, c'est lui mettre le seum et il va venir t'envoyer chier. Et je reviens au point où j'étais, c'est que je vous disais, parce que là je me perds un peu, j'ai beaucoup tellement de choses à vous dire. Je vous disais que, voilà, il y a un abonné, il est venu, il m'a dit ouais, là, 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 là. Mais moi je voulais dire frère, écoute, moi il y a un youtubeur que j'apprécie. Il y a un youtubeur que j'apprécie. Un pote à moi, IRL, c'est un pote IRL. Johan, Yomax, c'est un pote à moi, IRL, c'est un mec que j'apprécie. Il m'a prêté son AverMedia. J'avais pas d'AverMedia la dernière fois pour Rec, il me l'a prêté. Il est venu, il m'a dit tiens. Voilà, fais ta vidéo avec. C'est un frère, vous voyez ce que je veux dire? Il me l'a prêté. C'est de l'aide. Ça l'a fait plaisir de faire ça. Demain, un de mes youtubeurs favoris, tels que Yomax, The Kerry, des gens comme ça, ils ont besoin d'un truc que moi j'ai. Pourquoi je leur donne pas? Pourquoi je leur donne pas? Pourquoi? Eux, ça va leur faire plaisir. Ça va lui faire plaisir d'avoir Watch Dogs, par exemple, The Kerry. Mais moi, ça va me faire notamment plaisir de l'avoir donné. Parce que c'est moi qui veux lui donner. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai mis ça comme annonce. J'ai mis tout à l'heure, voilà, s'il n'y en a pas un qui a un Watch Dogs à me lâcher ou quoi, voilà, j'ai les sous de côté, je peux aller l'acheter, bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui vont le donner avec plaisir. Parce que, heureusement, Dieu, il n'a pas fait que des enculés. Astaghfirullah Rabbi. Heureusement, il n'a pas fait que des enculés sur cette planète. Heureusement qu'il y a des bonnes personnes. D'ailleurs, dédicace à toi, à ceux qui me l'a passé, Moha. Dédicace à toi. Et d'ailleurs, les gars, je vous ai fait une promesse tout à l'heure dans le gameplay. Je vous dédicace tous ceux qui ont été avec moi dans cette partie. Un grand merci à vous, les frères. Vraiment, un grand merci à vous. Et mon petit bébert, écoute-moi bien, toi, mon petit berbère. Écoute-moi bien. Un grand merci, gros, de m'avoir bloqué correctement les spawns. Désolé, les gars, c'était un peu de blocage. Je pense que vous avez vu. C'est un vrai massacre, c'est un vrai carnage. J'ai pas l'habitude de trop bloquer les spawns. Disons que Bébert, il les a bien rattrapés, les abonnés, il les a serrés au tournevis, les frères. Il les a serrés correctement, ils ont bien tenu le middle. Un grand merci à vous tous, mes abonnés. Je vous kiffe, je dis souvent mes très chers abonnés, parce que pour un youtubeur, vous êtes chers, les frères. Parce que pourquoi? Un youtubeur, il sert à quoi s'il n'y a pas de vues? S'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas de likes? Vous voyez, s'il n'y a pas des gens qui parlent avec lui, il sert à quoi un youtubeur? C'est une merde, un youtubeur, s'il n'y a pas ça. Un acteur, Will Smith, si vous ne regardez pas à la télé, il sert à quoi Will Smith? Il sert à quoi? Il sert à chill, il sert à rien. Voilà. Donc, je dis, mais très cher, parce que pour moi, vous êtes cher, vous voyez? Vous êtes cher à mon cœur et c'est important qu'un abonné, ou même quand je dis, mais très cher, je dis pas un très cher abonné, je dis, mais très cher abonné. Donc, en général, je parle de tout le monde. Voilà, ces hommes l'avaient posé la question. Il m'a dit, pourquoi tu dis ils sont trop chers et tout? Je vais te répondre en vidéo, je lui dis. Je vais te répondre en vidéo, salopard. Bref, les gars, voilà, vous avez compris à peu près pourquoi je dis mes très chers abonnés. Parce que voilà, pour moi, vous êtes important pour un youtubeur. Parce que vous l'écoutez, vous commentez, voilà, vous faites tout ça. En tout cas, les frères, voilà, je vous ai parlé un peu des rageux. En espérant, les frères, que vous allez être un peu corrects, un peu. Même avec moi, je sais que certains vont me kiffer. Je suis leur youtubeur préféré. Mais forcément, ils détestent un autre youtubeur. Ben, faites pas ça avec lui, les frères. Faites pas ça avec lui. Passez votre chemin et on s'en fout, les gars. Passez votre chemin. Vous allez voir Cezo, vous venez me voir moi, vous venez voir la Mythic Clan, vous allez voir Yomax, vous allez voir The Kerry, vous avez plein de monde bien à aller voir. N'allez pas voir des bolosses. Tracez votre route, les gars. Il y a des bolosses sur YouTube. Il y a des bolosses. Certes, oui, c'est pas toujours de la faute des abonnés qui viennent critiquer. Certes, il y en a certains, ouais, ils méritent des youtubeurs qui se foutent de la gueule des abonnés, ils mériteraient de grosses tartes dans la bouche. Mais voilà, c'est comme ça, les frères. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc les frères, en tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir écouté comme d'habitude. Je vous remercie. N'oubliez pas, dans le lien, il y aura mon Twitter, mon Facebook. Si vous voulez me suivre, de temps en temps, j'ajoute quelques PSN. Je vous remercie à tous. Un million de merci, bande de salopards. Je vous kiffe tous, la tête de ma mère. Merci les frères, et à la prochaine. C'était GameX13, les gros. Ciao.